Bonjour et bienvenue dans Wearch. Connaissez-vous le nouveau paradis des randonneurs? Je veux parler du GR Nord. Le premier tronçon de ce sentier de grande randonnée de la province Nord a été inauguré en octobre 2013. Je vous propose de le découvrir avec moi. Ensemble, nous allons parcourir près de 70 km de la vallée de Tchamba, au sud de Point-d'Imier, jusqu'à la tribu de Wanash, non loin de Touo. Un périple ponctué de sensations fortes, de rencontres inoubliables et de paysages à vous couper le souffle. Alors, ça vous dit? C'est parti pour la première étape de ce sentier exceptionnel. Direction la tribu de Tchamba pour ce premier épisode de nos aventures. Weari, c'est tout de suite sur NCTV. Bonjour, je suis Hélène, sois le bienvenu ici chez moi, la tribu de Tchamba. Olé, merci beaucoup. Hélène, qu'est-ce qu'on va trouver ici chez toi? Ici, c'est un accueil en tribu. Tu peux trouver des activités comme les randonnées. Mm-hmm. Il y a aussi la vannerie, le tressage. Et il y a aussi un sentier du GR dont je suis la référente. Et c'est à 21 km à faire jusqu'à Saint-Thomas, la prochaine étape. C'est bon tout ça. Et on va commencer par quoi? On va commencer par la visite de la tribu, la découverte de la tribu de Tchamba avec toutes ses infrastructures. On y va? On y est. Alors là, on est où ici, Hélène? Et voilà, Cédric, là, on arrive au centre de la tribu avec toutes ces infrastructures, l'installation des premières personnes qui sont arrivées ici à la tribu de Tchamba. Ok. Alors ici, tu vois, c'est l'école primaire. Mm-hmm. Ça va de la maternelle jusqu'en CM2. Et là, en face de nous, c'est le grand temple. C'est devenu un monument historique, un bâtiment historique de la tribu parce que ça marque la toute première fois que les gens sont venus habiter ici pour mettre en place la tribu de Tchamba, le centre. Okay. Voilà. Et plus loin là-bas, on a le foyer culturel qui sert de réunion ou qui rassemble les gens pendant les grands événements comme les mariages ou les rencontres de la tribu, de personnes de la tribu comme les coutumiers par exemple. Et là-bas derrière toi, il y a la maison commune qui sert de site d'accueil ou de manifestation comme aussi les mariages ou les grands événements. Il y a tout ce qu'il faut, il y a la grande salle pour la réunion, il y a un endroit pour faire la cuisine et tout quoi, voilà. Si j'ai bien compris, c'est ici que tout se passe. Oui, c'est pour cela qu'on dit bien le nom, c'est le centre. Bien parce le centre. Que c'est ici que toutes les personnes se rencontrent. C'est au centre pour pouvoir faire des événements ou des grandes manifestations. Comme il y a toutes les infrastructures qui sont autour. Et là, c'est la grande cour. D'accord. C'est la grande cour, c'est l'espace où ils se retrouvent. Quoi. Et autour, c'est toutes les maisons. Oui, voilà. Ils arrivent en bas, mais ils sont oui, voilà. Et autour, il y a toutes les habitations qui tous sont les clans autour. Qui sont autour. C'est les personnes qui sont venues se poser autour des infrastructures. Pour être plus près, quoi. Donc c'est des habitations familiales aussi, si on veut. D'accord. Oui, Hélène, ce temple, tu me dis que c'est un monument historique. Tu peux me raconter un peu plus? Oui, au fait, c'est un monument historique parce qu'il compte l'histoire des 12 clans qui siègent à la tribu jusqu'à actuellement. Mm-hmm. Et quand tu regardes bien, autour, il y a 12 fenêtres. C'est un peu pour dire que tous ces 12 clans, ils ont leur place dans ce bâtiment qui a été l'arrivée de la paix dans la tribu de Tchamba et qui a mis l'arrêt à la guerre des clans et à toute autre histoire qui était auparavant, au tout début du temps, avant l'arrivée de l'évangile dans la tribu de Tchamba. Ce temple, il est protestant? Oui, ce temple, c'est un temple protestant parce que c'est les premiers missionnaires protestants qui ont apporté l'évangile ici dans la tribu de Tchamba.
Et c'est en quelle année tout ça? Donc l'arrivée de l'évangile, c'était déjà en 1904, mais le grand temple, il a été construit durant tout ce laps de temps jusqu'en 1937. Et c'est à partir de cette année seulement que les gens de la tribu, les habitants de la tribu ont commencé à aller dans ce temple-là. C'est-à-dire tous les 12 clans existants qui ont commencé à prier dans ce temple-là. Voilà, et là, c'est là que vit le pasteur, le pasteur qui assure dans le temps. Voilà. Mmh. Il vit ici, à tous ces espaces-là, parce que c'est là que se rassemblent les personnes au travail demandé par le pasteur. Et comme le lundi, par exemple, ils travaillent ensemble ici. Et là, ce grand arbre qui est ici, c'est un kaori. Il vient il a un peu le même aspect que ceux de Yengen, parce qu'il a été planté par un pasteur qui est venu de Yengen. D'accord. Voilà. Là, on va pour que je te montre le gué. Le gué, c'est le passage dans la rivière en tout premier temps, quand il n'y avait pas encore le pont, le grand pont de la Tchamba. Mmh. Auparavant, c'était un sentier. Et après, avec l'arrivée des voitures et tout, ils ont pu tracer les routes sur les mêmes sentiers que faisaient les chevaux auparavant. D'accord. Et voilà, ça c'est le gué, c'est la traversée de la rivière. Et cette rivière, c'est la Tchamba. C'est le nom de la rivière, comme le nom de la tribu. Et c'est cette rivière qui débouche au grand pont de la Tchamba. Ah, ouais. Et comme tu vois, là-bas, ben, y a des radeaux aussi, parce que d'ordinaire, les enfants, ils aiment bien jouer avec les radeaux. Donc c'est un peu quelque chose qui les rassemble à la rivière pour pouvoir passer leur petit temps de loisir. Ah, c'est un bon délire, ça, le radeau. Sinon, il y a les mamans qui viennent pour faire la pêche aussi, comme c'est juste à côté du centre. Voilà. Lapia ? Il y a les lapia, il y a les anguilles, il y a les carpes, il y a les mulets de rivière aussi. Mm-hmm. Maintenant, on retourne à la tribu ? Oui, maintenant, on revient au centre. Oh, oui. Ah bah tiens, il y a un panneau GR là. Oui, c'est l'orientation vers le GR qui t'attend demain, c'est ce que je te fais découvrir demain. Eh ben, okay. Pour l'instant, ben, on continue notre petite visite pour la tribu. Olé, 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 olé. Ok, Hélène, toi tu es née ici? Oui, je suis née ici dans la tribu, je suis originaire de cette tribu. D'accord. Et ici, il y a plus de 400 personnes, 400 habitants. 400 habitants. Mais tout le monde ne vit pas ici. Il y en a qui sont partis à la quête d'emploi. Donc, il y en a qui vivent à Nouméa. Okay. Non, sinon, la plupart des habitants, la majorité, ils sont ici. Uh-huh. Et ici, on vit de l'agriculture, c'est-à-dire de la plantation de l'igname et de la chasse ou de la pêche. Olé, 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 olé. Oh, je ne savais pas qu'il y a 400. Voilà, et tu vois ici, il y a une végétation qui est très diversifiée parce que c'est à la chaîne, donc il y a une température très, très humide. Quoi. Elle est humide, donc il y a toute une fraîcheur qui fait qu'on a une végétation très diversifiée. Quoi. Merci Hélène pour cette belle visite. Hein. Oui, voilà, on a fini la visite de la tribu, du centre, et là, on va aller vers autre chose, vers une petite randonnée. Mmh. Olé. Et là, Hélène, on va où? Là, on descend toujours vers la rivière. Au fait, c'est la même rivière qu'on avait vue tout à l'heure, c'est la Tchamba. Et elle a simplement quelque chose de différent, c'est son aspect qui est différent avec les rochers qui sont au milieu de la rivière. D'accord, allez. Et je vois qu'il y a du café ici. Oui. Là, il y a du café. C'est un ancien champ de café qui a été abandonné. Mmh. Et comme tu vois, c'est sous de grands arbres qui ont servi d'ombrage en ce temps-là pour la plantation du café. Mmh. Et là, à côté, on a un pied de pandanus sauvage parce qu'on ne s'en sert pas pour faire des nattes comme ce qu'on en plante. Mmh. Et on les garde près des habitations parce qu'avec son fruit, ça attire le notou.
Et juste derrière, il y a un figuier. Il y a un figuier, celui-là aussi, c'est un arbre qui a des fruits qui attirent le notou aussi, comme la roussette. Et le grand arbre qui est au-dessus, c'est le bancouli. Il est bien le pandanus, là. Vous plantez beaucoup à côté des maisons, comme ça les notou vont venir. Oui, c'est ça. Et voilà, ici on arrive au temple de Naboumé Cédric. Hein? C'est là, c'est là où tu vois les cailloux qui sont disposés au-dessus de l'autre. Et c'est pour faire le pourtour de la grande case de Naboumé. Et Naboumé, c'était qui? Alors, Naboumé, c'est un peu l'histoire des clans, d'abord de Tchamba, qui veut dire origine des clans, source des clans. Hélène, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que ça veut dire source des clans? Source des clans, ça veut dire, c'est l'origine des clans, c'est de là que ça parte, que ça sort tous les autres clans qu'il y a sur le territoire. Si j'ai bien compris, c'est notre ancêtre. Oui, c'est bien ça, c'est notre ancêtre parce que c'est lui qui est à l'origine de la création de tous les autres clans qui existent actuellement. Et lui, il était ici, c'est il ton emplacement. Il était ici, voilà, ça, c'est ça son, l'emplacement de sa grande case. De sa grande case. Voilà. Et voilà, là on est sur le tertre de Naboumé, c'est ça son tertre. Et comme tu vois, il fait 8 mètres de diamètre. C'est quand même une grande case. Et tous les sujets étaient autour de cette grande case? En fait, ce n'était pas ces sujets, c'était ces femmes, ces 40 et quelques femmes qui abritaient chacune dans chaque case. Et ils vivaient en polygamie avec toutes ces femmes. C'est un mythe ou une réalité? Mais pour les anciens, c'était un mythe, mais pour nous, actuellement, c'est une réalité puisque ça explique le tertre qu'on revient de voir. Tiens! Tu connais cette plante, Cédric? Voilà. Ça, c'est du savon, c'est un peu une potion médicinale traditionnelle quoi, pour se laver les mains ou les cheveux. En plus, comme on va vers la rivière, ben, tu pourras l'essayer. Oh, tu as vu tous les cheveux que j'ai là? Tu vas avoir un bon paquet. Pas de problème, il y en a abondance. C'est ça aussi. Olé. Ce que j'aime bien, c'est que tout est vert, tout est souriant. La nature, elle te sourit, on dirait. Ah tiens, Hélène, je sais qu'avec cette fougère-là, nos vieux avant, ben, ils faisaient des sagailles avec le cœur. C'était bien dur pour les crevettes. Hein. Et tu sais aussi qu'avec le cœur, quand il est encore tout jeune, on peut sculpter des balles de basket. Ah ça, je savais pas. Des balles de basket? Oui, de basket ou de cricket. D'accord. Et maintenant, ben, on peut sculpter aussi des pots de fleurs avec le tronc. Ah, c'est bon ça. Olé. Tiens, voilà une des plantes médicinales aussi, Cédric. Tu sais qu'avec ça, si tu as une plaie, tu te coupes et tu n'arrives pas à arrêter le sang, ben, tu prends des feuilles, soit tu les masses comme ça et tu essaies de récupérer le jus pour mettre sur la plaie. Ou sinon, tu les mâches pour avoir beaucoup plus de jus. Tu mâches pour faire du jus et ensuite tu mets sur la plaie pour arrêter le sang. Et c'est efficace? Oui, c'est très efficace, quoi. Olé. Allez, on y va. Merci, Hélène. Alors ça, c'est un taro sauvage. Oui. Ça, c'est un palétuvier de montagne. On s'en sert pour faire les constructions, les toitures de maisons traditionnelles. En bas, il y a le bambou. Et le bambou aussi, il est très nécessaire pour les constructions traditionnelles aussi, pour faire les radeaux aussi. Les radeaux. Maintenant, ils font de la sculpture sur bambou aussi, des gravures sur bambou. Wow.
Et voilà la rivière. Ça, c'est une rivière. C'est beau. Ça, de Wiz. Ah, j'en ai testé le shampoing. Ah, voilà, tu as toujours ton shampoing. Tu Net. Pourras plonger. Allez le tester, celui-là. Tu peux essayer ton savon, hein. Je vois, Wiz, je ne vais pas perdre mes cheveux avec ce truc. Ah, mais... C'est une bonne potion, on n'a pas de poux avec. Ah, on y. Ah, on y. Ah, vas-y, on met le maillot de bain. Et où est-il, micro? Je pas, tu es au radio, juste devant. Juste devant. Où est-il, Yamaha? Ça coûte rien, mais c'est très efficace. J'en ai en emmené 10. Vous avez vu ce qu'on peut trouver dans la nature? Shampoing traditionnel. Donc, si vous faites le GR que vous avez oublié votre shampoing, pas de souci. Cédric, maintenant que tu as essayé le shampoing traditionnel, ben, on va s'en aller vers la maison pour que tu... Comme ça, tu vas pouvoir goûter autre chose, comme le repas de ce soir, par exemple. Ah, elle est beau ton champ, Hélène. Oui, voilà, ben c'est là mon champ. Et qu'est-ce qu'on va ramasser pour ce soir? Ben, ce soir, ben, on va préparer des taros. Mm-hmm. Il y aura un peu de papaye verte pour le plat d'entrée et des papayes mûres et aussi des choucanacs pour un ragoût ce soir avec du poulet. C'est bon ça. Poulet. Et Hélène, ça fait depuis longtemps que tu as ce champ? Oui, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on a ce champ sur place. Mmh. Parce que comme c'est juste à côté, donc on a un potager qui assure la consommation des clients. C'est bon ça pour ceux qui viennent et qui vont faire le GR. Voilà, ouais. Venir dans le jardin, prendre un peu des légumes pour prendre des forces. Oui, voilà. Hein. Alors, celui-là, c'est un tarot, tu vois, là, aux alentours, là, c'est une parcelle de tarot. Et là, ces arbustes-là, c'est des choucanacs. On peut préparer des choucanacs à mélanger avec la viande ou le poulet. Le poulet, voilà. D'accord. Et on peut en ramasser, hein, pour ce soir, c'est comme ça qu'on la ramasse, quoi. Alors, on ramasse les jeunes feuilles. Les cœurs, là, les jeunes feuilles. Les jeunes feuilles. Oui, oui, oui. Voilà. Il y a assez là, Hélène ? Oui, là, il y a suffisamment de feuilles pour pouvoir faire avec notre poulet de ce soir. D'accord. Alors, tu vois, là, on a de la chance, on a trouvé des papayes qui commencent à mûrir déjà. Ben, on va en cueillir pour pouvoir faire de la salade de ce soir et peut-être... faire le dessert avec, c'est possible de prendre le dessert aussi, ça commence à mûrir déjà. Yes. Voilà. Je vais en prendre deux. Ok. D'accord. Papaye, choucanac. Bon, on a l'entrée, le dessert, les choucanac. Maintenant, il ne manque plus que le tarot. Il ne manque plus que le tarot. On va aller déterrer le tarot, arracher le tarot à l'autre bout de la parcelle de tarot. Oui, là, il y a, oui. Tiens, yes. Tu peux tenir les feuilles, s'il te plaît, que j'arrache. Voilà. D'accord. Voilà, là c'est le tarot Cédric. Ce sera pour le plat de résistance de ce soir. Ah, mais il est beau celui-là. Olé. Bon, c'est parti pour un tour. Bon, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, on va aller cuisiner tout ça. Ben oui, tu verras, tu vas bien te régaler. Oula, ça c'est sûr.
Et voilà, il ne reste plus qu'à préparer. Ok, olé. Je sens qu'on va se régaler. Hélène, c'est quoi le menu ce soir, s'il te plaît? Eh bien, ce soir, en plat d'entrée, ben, il y aura la papaye verte râpée. Mmh. Et en plat de résistance, ben, il y aura du riz au lait de coco et du taro au lait de coco. Et en dessert, ben, la papaye mûre et accompagnée du jus de citron. Ça te va? Je sens que ça va être délicieux, bon. Tu verras. Ah oui, ça, c'est sûr. Sûr. Ben, il faudra te dépêcher si tu veux vraiment participer à la dégustation après. Là, Hélène, elle a dit il faut se dépêcher. Donc, on va pas traîner. Hein. Parce que moi, j'ai envie de manger. Et voilà, c'est la marmite de chou canac mélangée avec du poulet. Il est bon. Bon, alors là, on a les chou canac avec du poulet. On va faire comme Popeye pour les épinards demain, là. Ça va aller pour le GR. Salade de papaye. Et t'as oublié la cendre qui est au coin. Bon appétit. Yeah, prendre des forces. Alors, plat d'entrée, tu peux me rappeler ce que c'est le plat d'entrée, Hélène? Eh bien, c'est la papaye verte qu'on avait été cueillir tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, ben, genre. C'est râpé, puis assaisonné, quoi, avec du citron. Yes, olé. Allez, pardon. Cédric, faut prendre beaucoup de vitamines, beaucoup d'énergie pour pouvoir commencer notre journée demain. Ça va être une grande journée avec le GR que tu vas faire, que tu vas faire demain. Tu peux me dire ce que je vais trouver, petit avant-goût de ce que je vais trouver demain, Hélène. Donc demain, c'est 21 km à faire à pied. Hein, l'étape que tu vas faire demain, de Tchamba jusqu'à Saint-Thomas, avec beaucoup de points forts comme la découverte de la Syrie. Mmh. Et il y aura une cascade, il ne faut pas t'inquiéter parce que vers le bout du circuit, il y aura une cascade avant d'arriver à Saint-Thomas. Donc tu pourras te rafraîchir pour une longue marche. Quoi. Alors Hélène, aujourd'hui, tu nous as fait visiter un peu ta tribu. Qu'est-ce que ça représente pour toi de faire découvrir ta tribu aux arrivants? Et ben en fait, c'est une bonne question parce que moi, je suis vraiment passionnée de cette activité-là, faire découvrir ma tribu aux touristes, à l'étranger. C'est un peu raconter une partie de moi, raconter ma vie, la vie de mes ancêtres et ma vie. C'est ça ma passion. Et en même temps, je découvre en même temps que je fais découvrir aux clients. D'accord. Raconter l'histoire de la... L'histoire de la tribu. Voilà. Monter l'histoire de la tribu, voilà. Hélène, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ces belles balades que tu proposes? Ben, tu sais quoi, Cédric, l'image que je voudrais que tu gardes très longtemps en mémoire de mon histoire, de cette journée, c'est l'histoire du Grand Temple qui marque un point fort dans l'histoire de ma tribu parce que c'est à travers ça. Mmh. Ce bâtiment, il est l'origine de la création de ma tribu. Cette histoire, je la garderai bien dans mon cœur. Et en plus de ça,
je la transmettrai à ceux qui viendront ici à Tchamba. Olé encore, Hélène. Merci beaucoup. C'est très bon en plus. La salade de... Salade de papaye. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, je vais aller me coucher. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ce sentier de grande randonnée de la province nord. Au prochain épisode, nous partirons de Tchamba à Saint-Thomas à Poindimier. Vous allez voir, là encore, je vous réserve de grandes surprises. Allez, tata à tous!